Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. Au cours des 15e et 16e siècles, l'Église devait faire face à sa plus pénible épreuve. La papauté avait déformé le message de Jésus et faisait l'accusation de critiques qui exigeaient le retour à la vraie foi. Au XVe siècle, l'un de ses critiques réclamant une réforme s'appelait Jan Hus. Il allait payer ses idées de sa vie. Le 6 juillet 1415 à Constance, il finissait comme tous les hérétiques sur le bûcher. Il avait dû exposer ses thèses critiquant l'Église à un conseil ecclésiastique. L'empereur germanique l'avait assuré de sa protection. Mais peu après son arrivée, il était emprisonné. Le réformateur tchèque avait la plus horrible des morts. Jan Hus, dont le nom en tchèque signifie « loi », aurait, selon la légende, proféré à la foule ses derniers mots. « Aujourd'hui, vous rôtissez une oie, mais un cygne viendra pour vous chanter une autre chanson. » 100 ans plus tard, dans un bureau de Wittenberg, Martin Luther, moine de l'ordre des Augustins, couchait sur papier ses 95 thèses. Il y exposait dans les grandes lignes ses idées très personnelles sur le rôle de l'Église, s'en prenant particulièrement à la vente d'indulgence. Ce même soir, dit la légende, Luther allait placarder ses thèses sur les portes de la chapelle du palais de Wittenberg. À la fin du XVe siècle, le monde était en plein bouleversement. Depuis l'Europe chrétienne, des marins s'embarquaient à l'aventure à la recherche de nouveaux continents au-delà de l'horizon. L'un d'entre eux était un intrépide capitaine de la marine génoise, parti s'aventurer sur l'immensité de l'océan Atlantique avec 3 bateaux espagnols. Christophe Colomb découvrait l'Amérique. En dépit de toutes ces sensationnelles découvertes, la vie quotidienne s'articulait toujours sur de vieux concepts et les coutumes. L'ordre médiéval était sous la coupe du pape et de l'empereur. Les thèses de Luther frappaient l'opinion comme une bombe incendiaire. Les masses réalisaient la vérité sur la pratique courante des indulgences, le commerce des péchés, et elles se mettaient à attaquer l'autorité du pape. L'indulgence, la remise des péchés moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, était devenue pratique courante à cette époque. La crainte de l'enfer ou du purgatoire portait les individus aux extrêmes. La recherche du salut éternel, tel était le terreau dans lequel allaient s'épanouir tous les dogmatismes, avec leur cortège de chasses de sorcières et de diableries en tout genre. L'Église n'avait qu'à se pencher pour y cueillir ses bénéfices. La vie du jeune étudiant juriste Martin Luther allait basculer l'après-midi du 2 juillet 1505. Parti d'Eisleben, son lieu de naissance, pour se rendre à pied à Erfurt,
il était pris sous un orage et presque terrassé par la foudre. Saisi de panique, il priait Sainte Anne. « Si vous m'aidez, je deviens moine. » L'expérience de l'intimité de la mort bouleversait tellement Luther qu'il tournait le dos à son ancienne vie. Rentré au monastère Augustin d'Erfurt, il promettait à l'instant de servir Dieu à jamais. Ironie de l'histoire, Luther prêtait serment à l'ordre à côté de la pierre tombale, sous laquelle reposaient les restes de Johannes Zacharias, l'homme qui avait envoyé Jan Hus au bûcher. Luther devenait un moine d'un immense dévouement, suivant la règle de l'ordre à la lettre. Il dirait de lui-même plus tard « Si quelqu'un avait déjà réussi à atteindre le ciel par la vie monastique, alors c'était la voie que je devais choisir à l'époque. » La vie des ermites Augustins était dure et pleine de privations. 52 moines dormaient dans une seule pièce. Pas de chauffage, une maigre alimentation et de constants exercices de pénitence. Le rire était interdit. L'espérance de vie moyenne de ces hommes ne dépassait guère 30 ans. Ce portrait nous parle du Luther de cette période, visage dur, ascétique. Malgré toutes ces épreuves de pénitence, Luther craignait constamment de ne pas trouver le salut éternel. Il priait de manière ininterrompue. Il jeûnait pendant des semaines, constamment tourmenté par le doute. Luther allait traverser une crise si profonde qu'elle le conduirait à confession plusieurs fois par jour. « J'étais la créature la plus misérable sur la terre. Jour et nuit, j'étais torturé par de vains sanglots et le doute. » En novembre 1510, Luther était envoyé à Rome régler quelques affaires pour l'ordre, ses supérieurs espérant ainsi changer les idées du moine torturé. Il lui faudrait 5 mois pour faire, dans des conditions difficiles, l'aller-retour à pied de Erfurt à Rome. Un guide du pèlerin comme celui-ci indiquait aussi les lieux importants de la capitale chrétienne. Cette église était au programme imposé de tout bon pèlerin venant à Rome. Arrivant à pied du fin fond de ces provinces allemandes, le moine de la pauvreté éprouvait un choc en arrivant à Rome, capitale du catholicisme, de la papauté, des arts et de la culture. Toutes occasions étaient bonnes pour soulager la bourse des pèlerins. Même les lieux saints faisaient l'objet d'un commerce. Des années plus tard, Luther se souviendrait de cette expérience avec dégoût. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru que la papauté pût être une abomination si monstrueuse. La prodigalité du style de vie du pape semblait ne plus avoir de limites. La nouvelle église de Saint-Pierre était en construction. Nouvelle merveille du monde d'un point de vue architectural, elle n'était que vanité aux yeux du moine Augustin. De ce monde, il ne connaissait que la petite ville de Wittenberg sur l'Elbe, une vie à l'exact opposé de celle de Rome. C'est là que Luther avait une chaire d'enseignement d'études de la Bible à l'université nouvellement fondée. Loin d'être ce moine insignifiant que Rome ne prenait pas au sérieux, le docteur Martin Luther était un savant théologien. Il n'y avait certainement personne cette année-là pour imaginer qu'une impulsion partie d'ici déséquilibrerait tout le monde chrétien. La découverte de Luther était une prise de conscience révolutionnaire. Le salut ne peut venir que de la seule foi en Dieu, et non de ce qu'un homme peut accomplir. Avec la mort sacrificielle du Christ sur la croix, Dieu tendait à l'homme la main de la réconciliation. Dieu n'était plus répressif ou vengeur, mais charitable et gracieux. Une image divine, telle que la voyait Luther dans les épîtres de l'apôtre Paul, celui qui aurait désavoué la pratique des indulgences. Pour Luther, les gens qui croyaient en Jésus-Christ étaient bénis de Dieu, non pas en achetant leur place dans le ciel avec des certificats, mais par la seule croyance dans ce crucifié.
En chair, Luther proclamait « sola fide », par la foi seule, l'homme est l'élu de Dieu. Luther tempêtait contre l'achat des indulgences en rémission des péchés, pratique nulle part mentionnée dans les antiques textes chrétiens. Une indulgence achetée et payée n'était pour lui rien d'autre chose qu'une tromperie frauduleuse et l'œuvre du malin. Mais il y avait pire. Il avait compris à qui profitait tout cet argent, à quoi servaient les indulgences. Cette connaissance prouve qu'il était aussi un éveilleur de conscience. Je n'ai d'abord eu aucune idée à qui profitaient ces indulgences. Puis j'ai appris la vérité. Derrière tout cela, il n'y a rien moins que l'évêque Albrecht, parce qu'il s'est arrangé pour être élu archevêque de Mayence, ce qui lui coûte 30 000 florins rhénans, car c'est à ce haut prix que le Saint-Père veut bien donner le chapeau. Dans le besoin, Albrecht a inventé les indulgences pour payer ses dettes avec la bourse des pauvres gens. Et pour couronner le tout, le pape s'est prêté au jeu, pour que la moitié de l'argent puisse prendre le chemin de la construction de l'église de Saint-Pierre à Rome. C'était donc principalement les gens simples, les artisans et les paysans qui finançaient toute la splendeur de l'église. Il y avait des indulgences pour toutes choses, même pour la rémission des péchés commis par des gens morts depuis longtemps. Grâce au tintement joyeux des pièces de monnaie que vous jetez dans le tronc, leur âme va s'envoler directement du purgatoire au paradis. C'était ce qu'entendaient les gens dans le message du prêtre dominicain Tetzel, l'un des plus efficaces collecteurs de l'argent du commerce des indulgences. Les flots de tintantes pièces de monnaie s'écoulaient principalement dans le projet pharaonique devant lequel le jeune Luther avait secoué sa tête, la construction de la nouvelle église Saint-Pierre à Rome. D'un certificat d'indulgence à l'autre, la papauté finançait la Renaissance, mais ces papiers allaient devenir le principal facteur de menace contre elle en devenant les détonateurs de la Réforme. C'est une invention technique du début du XVIe siècle qui allait permettre la propagation des idées de la Réforme. Sans l'imprimerie, sans cet art noir, les protestations de Luther et de ses partisans n'auraient peut-être jamais franchi les limites de la ville de Wittenberg. De simples lettres de métal, assemblées pour écrire des pensées, des idées révolutionnaires, des explosifs spirituels, permettaient l'impression immédiate de nombreux exemplaires distribués dans tout l'Occident chrétien. Les imprimés portaient le message de la Réforme au monde entier. Les gravures sur bois illustraient les textes, caricaturant les adversaires, la papauté et ses cardinaux. La propagande médiatique venait de trouver son outil et brisait la mainmise sur la connaissance des seuls individus instruits sachant latin et grec. Aucune tâche n'était impossible aux sculpteurs des tampons de bois. Le pape y était souvent représenté comme le monstre de Rome monté sur un âne. De leur côté, les adversaires de Luther ne se privaient pas de publier des brochures diffamatoires et des caricatures. La dispute théologique utilisait les moyens les plus modernes. En 1520, Luther publiait un texte court et fondateur de la liberté individuelle du chrétien. Sa toute première phrase était source d'encouragement pour ses partisans. Une personne chrétienne a pouvoir sur toute chose et n'est soumise à personne. Le pape exigeait que le moine indocile lui soit livré immédiatement, mais le prince de Saxe et grand électeur Frédéric le Sage refusait. La légende veut qu'un moine envoyé de Dieu apparût dans un rêve du grand électeur.
Il écrivait avec une plume si gigantesque qu'elle atteignait Rome, et là, heurtant, faisait chanceler la couronne du pape. Les thèses de Wittenberg étaient le point de départ d'un éboulis de pierrailles qui finirait en avalanche. On dit que Luther lui-même était épouvanté par l'écho que rencontraient ses thèses. Lui qui, en réalité, n'avait cherché qu'à déclencher l'étincelle d'une discussion entre théologiens, se retrouvait devant un feu d'artifice. Il avouerait plus tard son inquiétude en disant « Tous ces chants couvraient ma voix. » Un événement politique allait venir en aide à Luther. Le procès que le pape avait intenté contre lui ne pouvait se poursuivre car l'empereur était mort. Mais avant même que le corps de Maximilien n'ait rejoint dans la splendeur et le cérémonial son tombeau dans l'église de la cour à Innsbruck, un conflit embrasait sa succession. La politique de haut niveau a d'autres soucis que de faire taire un moine. Luther faisait alors bonne utilisation du temps qui lui était donné. Il prêchait et enseignait. Des savants arrivaient à Wittenberg, venus de l'Europe entière, transmettant l'impulsion de la réforme vers la Scandinavie, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suisse. Au début de l'année 1522, Zwingli faisait avancer la cause de la réforme à Zurich. À Genève, c'était Jean Calvin qui réformait radicalement la ville dans les années 1530. Que ce soit à Genève, Zurich ou Wittenberg, la réforme poursuivait toujours le même but. Une église réformée dans laquelle rien ne pourrait contredire sa mission de base, prêcher la grâce de Dieu. Mais des différences apparaissaient très vite entre tous ces réformateurs. Ulrich Zwingli critiquait le concept de la Sainte Communion selon Luther. Cette querelle allait scinder les réformateurs en deux camps. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, prit du pain et après avoir remercié Dieu, le rompit. Le donna à ses disciples et dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » La Sainte Communion est le rituel central de la liturgie chrétienne depuis les origines de cette religion. La mémoire du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Le vin et le pain, symbole premier pour le sang et le corps du Christ. Mais comment peut-on imaginer que le vin et le pain se transforment en sang et en chair? La transsubstantiation était-elle réellement d'action divine, voire même un miracle? Ou le vin et le pain ne sont-ils que de simples signes à vocation symbolique pour raviver le souvenir? Voilà la controverse qui divisait les réformateurs entre eux. Pour Zwingli, le pain et le vin n'étaient rien d'autre qu'un symbole, un reste de pain, un reste de vin. Luther se concentrait d'abord sur les écrits bibliques, et Jésus avait dit « C'est mon corps ». Donc, pour lui, le corps et le sang du Christ étaient réellement présents dans le sacrement. La Sainte Communion était un pacte entre Dieu et l'homme, mais c'était aussi un mystère incompréhensible à la simple raison, un mystère divin qui se révélait néanmoins aux croyants. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. C'est à Worms, en 1521, dans les bâtiments abritant la diète qui allait se réunir à l'ombre de la cathédrale, qu'allait se jouer le sort de Martin Luther et de sa réforme. La diète était une impressionnante réunion au sommet de tous ceux que l'Empire romain germanique comptait parmi les puissants. 31 princes, 50 évêques, 88 prélats, 145 comtes et les représentants des villes impériales étaient réunis ici. Cette immense assemblée, représentant un énorme pouvoir politique, était présidée par le nouvel empereur, Charles Quint. Ce souverain venu d'Espagne parlait alors à peine l'allemand. «
Pendant plusieurs mois, ces princes allaient discuter chaque point concernant l'avenir de l'Empire, y compris un sujet que l'empereur considérait comme marginal, faire taire le moine Martin Luther, que le pape avait déclaré hérétique. Devait-on néanmoins lui accorder l'occasion de défendre ses idées ici, face au monde entier ? Il était décidé d'entendre Luther. Charles Quint donnait un sauf-conduit à Luther, lui garantissant sa sécurité. Mais que valait encore la parole d'un empereur ? Charles n'avait que 21 ans et sa principale préoccupation était de prévenir un schisme d'église pour assurer l'unité politique de son royaume. Luther se trouvait face à une décision difficile. Jan Hus, le réformateur tchèque, n'avait-il pas lui aussi bénéficié d'un sauf-conduit et de l'assurance de la sécurité ? Et n'avait-il pas fini sur le bûcher de Constance ? La réponse de Luther est devenue légende. Bien qu'il y ait dans cette ville autant de diables que de tuiles sur les toits, j'irai là-bas. Le voyage vers Worms devenait une marche triomphale. Et la postérité a fait un héros du moine qui avait osé défier le pape et l'empereur. Créature de lumière, il était la voix du peuple. Son intrépide voyage à Worms était porteur des espoirs d'une multitude de personnes, paysans, chevaliers et princes qui luttaient pour gagner leur autonomie politique et se libérer des chaînes de l'Église. À Worms, les adversaires de Luther espéraient bien qu'il se rétracterait. L'unité de l'Église et de l'Empire était en jeu. Une réponse laconique allait mettre le feu aux poudres. « Je ne peux et n'abjure rien. Je suis ici, mais ne peux rien faire d'autre. » Le mouvement chrétien se relançait dans l'histoire. Il était dans l'intention de Luther de redécouvrir le message original du Christ. Le mot latin « reformare » signifie « rétablir quelque chose dans sa forme originale ». Il décrivait la revendication des réformateurs d'être plus près de la vérité chrétienne que ne l'étaient les évêques catholiques engoncés dans leurs dogmes et leurs parures. Le mouvement de la réforme faisait des adeptes dans toutes les couches de la société et cette révolution continue encore aujourd'hui de manifester son influence. Mais la réforme, c'était aussi la scission de l'Église. Dans les siècles suivants, ce conflit allait coûter des millions de vies humaines. Le fait que des intentions aussi pieuses que celles qui motivaient Martin Luther puissent mener à des guerres aussi sanglantes est une des expériences les plus douloureuses dans l'histoire des religions. C'est une des pires contradictions que tous les croyants du monde ont un jour ou l'autre dû affronter ces travers de l'histoire. Worms est comme le symbole de cette contradiction. Ce qui se passait ici en avril 1521 réveillait de nombreux espoirs, en même temps qu'une féroce résistance. L'audition de Luther devant l'Assemblée de la Diète allait rester pour la postérité comme un acte héroïque et ses ennemis catholiques de mornes adversaires. Mais qu'en est-il vraiment ? Comme c'était à prévoir, l'empereur avait pris un décret d'interdiction impériale envers le moine indocile, mais il tenait parole. Luther repartirait sain et sauf. L'histoire, telle qu'elle est racontée dans les chroniques avec force détail, se lit comme un roman noir. Vers la fin de l'après-midi du 4 mai, un groupe d'hommes en armes arrêtait la voiture de Luther dans un endroit isolé. S'agissait-il d'assassins envoyés par un clan hostile désirant supprimer Luther ? De spadassins du pape ? De soldats de l'empereur ? Ces craintes se révélaient infondées, puisqu'il s'agissait d'une mission de protection intelligemment camouflée en enlèvement. Sur ordre de l'électeur de Saxe, Luther venait d'être mis à l'abri pour sa propre sécurité. Le peuple s'inquiétait. Ulrich von Hutten, le représentant de la noblesse libre, offrait publiquement son soutien à Luther, fût-il encore vivant. Mais personne ne savait rien de la situation de Luther, pas même dans les cercles de la noblesse impériale.
les rumeurs enflaient. Le secret de l'affaire de Luther était parfaitement gardé. Le Wartburg, près d'Eisenach, est un haut lieu de l'histoire germanique. C'est ici qu'au XIIIe siècle aurait eu lieu un très célèbre concours de chant. Et c'est aussi en ce lieu, derrière ces murs épais, qu'était réfugié Luther. Même les autres résidents du château ignoraient sa présence. Il devait passer 10 mois dans cette petite chambre, sous le nom d'emprunt de Monsieur Georges. Une période de grands bouleversements et de craquements intérieurs. Tandis que ses écrits étaient brûlés à Mayence et à Cologne, il était condamné au silence. Tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur, il se retrouvait seul. Il dirait plus tard qu'il avait été jeté au-devant de 1000 diables dans cette solitude sans but. Il mangeait, buvait et dormait trop. Mal à l'aise et vidé, il errait dans ces interminables couloirs, ce désert, comme il l'appelait. Son seul exutoire, il le trouvait dans l'écriture, mais c'était insuffisant pour soulager son malaise. Il s'était laissé pousser la barbe et avait échangé sa bure pour une veste plus noble. Il commençait à traduire en allemand les psaumes et le Nouveau Testament. Travailler, dormir, manger, monter et descendre les escaliers, boire du vin, tout l'affligeait. Bien plus que ce qui arrivait à Wittenberg et de comment tout cela allait bien pouvoir finir. La légende dit que le diable était soudainement apparu à Luther sur le mur de sa chambre. Il n'avait que l'encre pour combattre le diable, et aussi le pape, cet antéchrist. Et de cette encre, il faisait des lettres, des billets, des maximes, des livres, qui étaient autant d'armes dans sa lutte pour la vérité chrétienne. Écrit dans un allemand simple et compréhensible par tous, le Nouveau Testament que Luther traduisait rendait le message original du christianisme plus accessible. La traduction de la Bible de Luther devenait un des plus gros tirages de la toute nouvelle industrie du livre. Les 3000 premières copies se vendaient comme des petits pains. Le style de Luther et sa syntaxe allaient marquer la langue allemande plus qu'aucun autre livre. Dans les pays les plus lointains, la Bible de Luther influençait le développement de la chrétienté, car cette traduction avait ouvert la voie à la traduction de la Bible dans de nombreuses autres langues. D'innombrables versions linguistiques du livre des livres ont été imprimées depuis lors. Le message du Christ s'exprime dans toutes les langues existant en ce monde. Le Verbe est au cœur de cette foi renouvelée, dans la Bible bien sûr, mais aussi le Verbe exprimé en chair par le sermon. Un objet faisait son apparition dans les lieux de prière, le banc d'église, dont le but est d'apporter calme et sérénité. Les participants doivent pouvoir se concentrer sur les mots, sur les sermons. L'église n'était plus un lieu strictement spirituel, elle devenait amphithéâtre. Le rituel s'effaçait. Le Verbe commençait à retrouver sa signification. Et les ornements ostentatoires disparaissaient de nombreuses églises. Une tempête emportait toute l'iconographie de la région d'Allemagne du Sud et de la Suisse. Les statues des saints étaient brisées. Les brillants autels étaient jetés hors des églises. Comme l'étaient toutes les décorations inutiles, ornements et peintures qui distraient simplement du message chrétien. C'était l'avis des réformateurs.
La réforme a mené dans son sillage les prémices d'une explosion révolutionnaire, particulièrement dans les lieux où régnait déjà une certaine agitation sociale. Et les paysans se soulevaient, faisant déferler une vague de violence à travers l'Allemagne. La tension entre les paysans pauvres et les riches propriétaires terriens devenait sanglante. Luther, s'étant affranchi du pape et de l'empereur, servait d'exemple aux paysans entrés en rébellion. Lui, cependant, se dissociait de ces hordes de maraudeurs avec ces mots. « Vous, les seigneurs, battez les paysans à mort comme des chiens enragés dès que vous pouvez leur mettre la main dessus. » Ce soulèvement paysan contre les plus hautes autorités n'avait aucune chance d'aboutir, en dépit des 7000 paysans qui s'étaient assemblés en Thuringe. Tous ces bras volontaires n'étaient que très peu et faiblement armés, avec des faucilles, des fléaux, des gourdins et des haches. Mais ils avaient dans leur rang un homme qui allait se faire leur chef de guerre. Les pamphlets de Thomas Münzer appelaient ouvertement la rébellion. Ce sont ces excellents messieurs eux-mêmes qui ont fait que les pauvres gens s'opposent à eux. Münzer croyait que la puissance divine viendrait soutenir cette juste cause. Il était certain que les êtres célestes leur viendraient en aide, alors qu'ils menaient les paysans vers Frankenhausen, dans ce qui allait être une bataille décisive contre la noblesse. 1500 nobles, chevaliers et 1000 fantassins, bien équipés de fusils et de canons, allaient balayer l'armée hétéroclite de Thomas Münzer, noyant son rêve dans une mer de sang. L'intervention céleste des archanges ne s'était pas produite. L'armée de paysans était anéantie quasiment jusqu'au dernier et Thomas Münzer était décapité. Luther était persuadé de sa responsabilité dans ce massacre. Il exprimait son regret par ces mots. « Moi, Martin Luther, ai tué tous les paysans de l'insurrection, car je les ai appelés à se laisser battre à mort. Que leur sang retombe sur ma tête. » Luther aurait pu empêcher la réforme de descendre si bas avec les paysans. Mais à quel prix? Il allait devoir soustraire une des parties les plus explosives de la réforme. Seule, la foi en Dieu permettait de passer ces temps troublés. 4 semaines à peine après la dévastatrice bataille de Frankenhausen, Luther se mariait. Surprenant partisans et adversaires, il donnait un signal fort pour ceux qui voulaient participer activement à la réforme. Un prêtre pouvait se marier, comme le moine qui épousait Katharina von Bora, une ancienne nonne. Ce mariage dans la maison de Dieu, qui était pour les catholiques traditionalistes un péché mortel, devenait aux yeux de la réforme un mariage béni de Dieu. Le couple était heureux et enfantait une nombreuse descendance. Katharina s'occupait de tenir la maison, qui abritait en permanence pas moins d'une vingtaine de personnes. Les enfants, les relations, des étudiants, des visiteurs. Des invités venaient de toute l'Europe suivre l'enseignement dispensé dans l'ancien monastère Augustin de Wittenberg. Des conversations enthousiastes et approfondies égayaient la table du dîner où s'établissait un genre littéraire. La maison de Luther devenait le modèle de la maison du pasteur protestant. Luther et Katharina von Bora devenaient l'exemple pour toutes les familles de prédicateurs pour les siècles à venir. Joignant leurs efforts pour servir la congrégation, les femmes allaient assumer des tâches importantes, transformant la maison paroissiale en véritable cœur de la communauté. Luther, toujours critiqué, pouvait néanmoins continuer son travail en toute sécurité avec la bienveillance de son protecteur. Une vie presque contemplative. L'anathème du pape et l'interdiction de prêcher de l'empereur semblaient être rayés de ce bonheur familial idyllique. À
À l'extérieur, la réforme s'étendait et s'installait de plus en plus solidement. Les règles de la congrégation étaient couchées sur papier et le premier livre de cantiques évangéliques était imprimé. À peine 10 ans après la publication des 95 thèses, 1/5 des habitants de l'Empire avouaient être pratiquants de la foi réformée. Mais la grande confrontation entre protestants et catholiques restait à venir. Et pourtant, les réformateurs essayaient de désamorcer le conflit annoncé. L'ouvrage « Confessio Augustana », la confession protestante, soumis à l'empereur en 1530, insistait sur les réformes, mais soulignait aussi la cause commune qui la rapprochait des catholiques. Mais l'abîme était trop profond. En réponse aux menaces de l'empereur, les congrégations protestantes formaient la Ligue de Schmalkalden. Le conflit prenait forme. Luther, lui non plus, ne croyait plus à la réconciliation. Il authentifiait maintenant tous ses écrits personnels d'une rose. La rose de Luther certifiait l'authenticité et la qualité de la réforme. Le nom de Luther allait dominer toute une époque. Jusqu'à sa mort, en 1546, il restait le plus à même de faire passer son message sans risque de tempête politique. Habile avocat de la foi, il était en permanence capable de maîtriser sa ferveur religieuse au milieu des situations les plus délicates. Le docteur Martin Luther n'allait pas mourir par l'épée, ou comme Jan Hus sur le bûcher, mais plus paisiblement dans son lit à l'âge de 62 ans. Sa dépouille, richement habillée, allait reposer dans la chapelle royale du palais de Wittenberg. Même l'empereur Charles rendait hommage par-delà sa mort au moine insoumis. Alors qu'il se rendait sur le tombeau de Luther 1 an après sa mort, on lui conseillait de faire incinérer le cadavre. Cette punition posthume de l'hérétique visait surtout à empêcher l'église du palais de Wittenberg de devenir un lieu saint de la réforme. Charles V refusait par ces mots « Je fais la guerre à la vie, pas aux morts ». Luther n'allait pas vivre assez longtemps pour voir les guerres de religion. Pourtant, cette même année, des milliers de personnes allaient mourir à cause de leur foi. La Ligue protestante de Schmalkalden fédérait les puissances militaires du centre et du nord de l'Allemagne. Pour combattre cet état de fait, les catholiques faisaient de même au sud et à l'ouest. Les deux forces s'affrontaient sur l'Elbe en 1547, lors de la bataille de Mühlberg. 24 avril 1547. La nouvelle que des troupes catholiques étaient arrivées sous la direction de l'empereur avait surpris les défenseurs protestants. Ils s'étaient repliés sur la rive orientale de l'Elbe, croyant se mettre en sécurité. C'était une erreur. L'empereur arrivait d'Espagne, à la tête de 5000 cavaliers et de 20000 hommes à pied. L'armée impériale était puissante et endurcie par les combats, une nécessité en ces temps secoués par la crise. L'Elbe empêchait une attaque immédiate, mais les éclaireurs impériaux trouvaient un guet praticable. Un ajout de bateaux permettait d'accélérer le passage des troupes catholiques. Les troupes protestantes, sous le commandement de l'électeur de Saxe-Frédéric, se trouvaient rapidement sur la défensive. Des milliers de soldats mouraient au nom de leur vérité chrétienne. Ils étaient les premières victimes d'une lutte religieuse qui allait être sanglante. L'électeur protestant n'arrivait à mobiliser qu'une partie de ces 30 000 hommes pour la bataille. Leur situation était désespérée. Les troupes clairsemées de l'électeur cherchaient refuge dans la ville voisine. En vain, les cavaliers impériaux pourchassaient le reste des forces protestantes et les poussaient vers la rivière.
En fin d'après-midi, la bataille connaissait son épilogue. L'électeur Frédéric était fait prisonnier. Une stèle commémore la capture du chef protestant. Était-ce la fin de la Réforme ? La Réforme luthérienne était vaincue militairement. Mais les espérances qu'elle avait éveillées, les changements qu'elle avait provoqués allaient rester. L'esprit de la Réforme ne pourrait plus être chassé des foyers populaires, ni avec des arguments, ni surtout par les armes. Aujourd'hui, des tournesols poussent sur l'ancien champ de bataille. Au commencement, il y avait un Christ, un message. Plus tard, cela donnerait naissance à une Église puissante dans un royaume chrétien. Mais avec le temps, le christianisme se divisait. Les combats sanglants entre frères chrétiens étaient devenus la réalité douloureuse pour tous ceux qui croyaient profondément au message de Christ, un message d'amour. Trop souvent, depuis la naissance du christianisme, c'est le pouvoir politique appuyé sur ses militaires qui s'était mêlé du sens à donner à la vérité chrétienne. Les guerres religieuses en étaient l'aboutissement logique. Elles seraient les tragédies qui allaient assombrir l'horizon chrétien à l'aube des temps modernes. L'apaisement et la lumière seraient longs à revenir. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. À la fin du XVIe siècle, le conflit entre protestants et catholiques était à son comble. Et pourtant, en dépit de la terreur et de la guerre, une nouvelle ère culturelle bariolée apparaissait. C'était l'aube de l'ère baroque. Caprice enchanteur de la nature, rayonnant et précieux, le barroco est le nom donné de toute éternité par les Portugais à ces nacres irrégulières. Ce nom allait devenir celui de toute une période culturelle, le baroque. Theatrum Mundi, le théâtre du monde, est le qualificatif donné à la période qui couvre les 16e et 17e siècles. Une période oscillant entre chasse aux sorcières et science. Entre joie de vivre et crainte de la mort. Des œuvres d'art couvertes d'or reflètent l'esprit de l'époque, la recherche des richesses terrestres et la reconnaissance de leur fugacité. Tout est vain, disait le poète André Griffius. Jamais jusque-là la papauté ne s'était entourée ni parée d'une telle magnificence. L'Église étalait sa puissance avec ostentation. Avec cet art suspendu entre lumière et ténèbres, la foi et la superstition marchaient joue contre joue. Dieu et le diable pénétraient tous les aspects de la vie. L'ère baroque, une époque de recherche où l'homme explorait son monde et partait à sa propre découverte.
Mais la menace était partout. Un conflit fratricide embrasait l'Europe. Une lutte sanglante et sans merci entre les idées protestantes et le pouvoir catholique. Memento mori, souviens-toi de la mort, était le mot d'ordre d'une société turbulente, dominée par la crainte individuelle de la mort. Dans une exubérance débridée, les couleurs brillantes voulaient combattre l'évanescence de la vie en même temps que les artistes peignaient des crânes humains. L'art posait le décor d'un théâtre vivant, conçu pour donner l'illusion d'un monde parfaitement ordonné. Un monde où la mort, bien que cachée, n'était jamais loin. Une grande scène avec vue sur les sphères célestes, toujours présentes en filigrane d'une vie constamment en danger. Dans cette Europe de la fin du XVIe siècle, la France et l'Espagne étaient les grandes puissances du moment, guerroyant toutes les deux pour maintenir leur sphère d'influence. L'unité politique de l'Empire allemand n'était qu'un vœu, et le monde germanique, morcelé entre une multitude de principautés catholiques et protestantes, ne jouait pas un grand rôle dans cette lutte de pouvoir. De son côté, l'Angleterre gagnait de plus en plus en importance. L'Angleterre, puissance maritime, luttait contre l'Espagne et les Pays-Bas pour la maîtrise des mers. Depuis peu, l'Angleterre différait de toutes les autres nations européennes du point de vue religieux. Le pape, ayant refusé d'annuler le mariage du roi Henri VIII, ce dernier s'était nommé chef de l'Église anglaise. L'Angleterre se détachait de Rome. La France cherchait à établir sa primauté sur son voisin de plus en plus puissant. L'Espagne et le Portugal accumulaient les richesses et la puissance grâce à leurs conquêtes d'outre-mer. Les rois d'Espagne, les Habsbourg, étant apparentés à l'empereur du Saint-Empire germanique, l'influence de la grande puissance catholique remontait jusqu'en Allemagne. Mais le centre spirituel du monde catholique n'en restait pas moins à Rome. Au début du XVIIe siècle, après des décennies de travaux, la cathédrale Saint-Pierre de Rome était consacrée. Cette église symbolise, comme aucune autre, la confiance de la papauté et sa revendication de puissance. Aujourd'hui encore, le visiteur est époustouflé par les énormes dimensions de l'édifice, une démonstration de la puissance de l'église. Le trône papal a été élevé au-dessus du tombeau de l'apôtre Pierre. L'auvent baroque est le symbole de l'ombre du ciel sur terre. Pour avoir voulu tout cela, les papes avaient depuis longtemps, à cette époque, perdu leur influence politique. Ils n'en continuaient pas moins à revendiquer haut et fort la seule vraie interprétation de l'enseignement chrétien. Et pendant ce temps, l'argent continuait d'affluer dans les coffres de la papauté qui en transformait une partie en magnifiques édifices. Parmi les premières décisions de son pontificat, Alexandre VII avait donné pouvoir à l'architecte et sculpteur Gian Lorenzo Bernini de concevoir la place Saint-Pierre en se conformant aux propres idées du pape. Ce dernier voulait que cette place devienne le symbole d'une église décidée à triompher du protestantisme. Entourée par de puissantes colonnades, la place forme le centre de la ville et le centre du monde catholique. Aujourd'hui encore, ce lieu est le plateau sur lequel la papauté se met en scène. Deux fois par an, à Noël et à Pâques, c'est de cette place que le pape lance sa bénédiction dite « Urbi et Orbi » à la ville et au monde. L'apparence baroque de Rome allait s'affirmer sous le pape Urbain VIII grâce au concours d'un brillant artiste. Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, était un homme aux talents multiples, tout à la fois sculpteur, architecte, peintre et illustrateur.
Sous les mains du Bernin, la pierre brute se transformait en forme fluide. Ses bustes révèlent une maîtrise unique. En un court instant, le temps d'un coup d'œil, il pouvait transmettre un état émotionnel à la pierre. C'est ainsi que le Bernin immortalisait son bienfaiteur, le pape Urbain VIII. L'apparence de Rome allait être durablement marquée par le long règne de ce pape. Son ami le Bernin concevait des places d'où partaient en étoiles des avenues qui s'enfonçaient profondément dans le corps de la ville. Les arts les plus flamboyants étaient mis au service de l'adoration de Dieu. Et pourtant, cette prodigalité ne répondait nullement aux problèmes dominants de cette période, la scission profonde entre les catholiques et les protestants. La ville de Trente est située au pied des Dolomites, point le plus septentrional de l'Empire romain germanique de l'époque. C'est dans la grande cathédrale qu'un concile était convoqué au milieu du XVIe siècle dans l'espoir de faire avancer la réforme de l'Église. Mais les protestants n'y viendraient jamais. De leur point de vue, l'abîme existant entre leur vision de l'Église et l'Église du pape était insurmontable. C'est ici, en décembre 1545, que le rideau se levait sur un événement déterminant pour l'avenir du catholicisme. Pendant plusieurs années, les princes de l'Église se réunissaient ici sous l'autorité du pape. Grand spectacle où une Église plus que millénaire faisait une démonstration de sa puissance en tentant de maintenir son unité. Mais même le Concile échouait à maintenir la cohésion du monde chrétien. Bien plus, l'Église catholique organisait sa riposte contre le protestantisme, la contre-réforme. Les minutes du Concile sont aujourd'hui entreposées dans les archives du Vatican. Ces documents révèlent les mesures infaillibles discutées pour réformer l'Église. Meilleure éducation du clergé, nouvelle stratégie missionnaire et lutte intensifiée contre la corruption. Un jeune gentilhomme espagnol allait devenir la force incarnée de la contre-réforme. L'église de Jésus à Rome a spécialement été élevée pour honorer sa mémoire. Ce cercueil contient toujours les restes mortels de l'homme qui a le plus influencé l'avenir de toute l'église catholique, Ignace de Loyola. L'église de Jésus, ce rêve baroque d'or et de marbre, est une brillante mise en scène de la foi en même temps qu'une invocation de la force religieuse au service de la contre-réforme. Qui était cet Espagnol que l'église catholique révère encore aujourd'hui comme un saint ? Il était représentatif des jeunes nobles de son époque, le prototype de l'officier fier à bras. Un homme qui vivait de la guerre et s'épanouissait dans une vie de joyeux luron entre deux batailles. L'incroyable légende de Saint Ignace de Loyola commençait, elle aussi, dans les tavernes malfamées et sur les champs de bataille. Et c'est la guerre qui allait être cause de son profond changement. Ignace, ayant été blessé par un boulet de canon, il avait fallu lui refracturer une jambe qui s'était mal ressoudée. L'affreuse douleur et les ineffables souffrances étaient une expérience de réveil spirituel douloureuse. Le guerrier en armure devenait chevalier de la foi. Ignace se rendait au monastère de Montserrat, un vieux site de pèlerinage. C'est au milieu de cette campagne grandiose du nord de l'Espagne qu'il recevait la vision décisive. Il allait fonder un ordre qui ne se consacrerait qu'à la réforme de l'Église. Ces soldats de Dieu devaient voler à l'aide du pape en s'engageant dans la bataille contre les protestants. Le serment solennel de Montmartre, en 1534, était l'acte fondateur de la Société de Jésus. Cette armée spirituelle n'avait pour arme que sa foi profonde, un haut niveau d'études et une discipline militaire.
les jésuites étaient les moines soldats du catholicisme. Les exercices d'apprentissage spirituel pour renforcer la volonté étaient écrits par Ignace lui-même. Le pouvoir étant inaccessible sans la connaissance, les jésuites privilégiaient les études universitaires. C'est grâce à des esprits élevés et des arguments convaincants qu'ils voulaient séduire le monde. Ils acquéraient bientôt une influence politique étendue. En 1540, le pape adoubait officiellement l'ordre des jésuites. La Société de Jésus serait une arme puissante de la contre-réforme dans la bataille contre le protestantisme. L'ordre des jésuites s'était aussi étendu en Allemagne et commençait à influencer l'architecture des églises. Le style baroque devenait l'incarnation de l'architecture jésuite. Des maîtres artisans inspirés allaient créer des œuvres dont la restauration, quelques siècles plus tard, nécessite de faire appel à des maîtres artisans modernes de grandes compétences. Le plus grand soin et la connaissance des anciennes techniques sont seuls aptes à faire rayonner de nouveau le sourire de cet ange baroque. La dorure à la feuille d'or, plus mince qu'une couche de peinture, faisait partie de la pompe baroque. Sous ce manteau d'apparat se cachait le bois ou le plâtre sculpté. L'objet de toute cette attention était de créer une parfaite illusion. Le stuc, facilement malléable et meilleur marché que le marbre, était le matériau le plus fréquemment employé. Seul, il permettait la réalisation de ces formes complexes données aux hôtes célestes. Un âge d'or pour les restaurateurs qui redonnent vie à notre passé baroque. L'aigle, l'oiseau royal, est l'emblème des Habsbourg. Pendant l'ère baroque, ils ne régnaient pas seulement sur plus de la moitié de l'empire romain germanique, ils étaient aussi rois d'Espagne et de son énorme empire colonial. Posé comme un colosse en pierre sur les hauts plateaux de Castille, l'Escurial était le centre de cette grande puissance catholique. Cette construction ressemblait plus à un cloître ou à un mausolée qu'à un palais. Philippe II, qui avait fait construire cette sombre résidence, était un fanatique adversaire de la Réforme. Ses contemporains le décrivent comme un père soucieux de ses enfants et un homme impitoyable envers ses ennemis. C'est dans la crypte, au cœur de l'Escurial, que reposent les membres de la famille de Philippe. Philippe II d'Espagne, ce roi solitaire vivant au milieu de ses morts, était l'homme le plus puissant de son temps. Toujours austère et vêtu de noir, c'est d'ici qu'il gouvernait son immense empire, la superpuissance européenne. Toujours plongé dans la lecture de la Bible, il se confessait chaque jour. Bien que profondément imprégné de sa foi catholique, il était très intéressé par les sciences modernes. Philippe prenait ses devoirs royaux très au sérieux. Chaque jour, pendant 8 heures, il dictait à ses secrétaires les dépêches et les lettres qu'il avait préparées au cours de la nuit. Son action représente des montagnes de papier qui retracent toutes les étapes de sa politique et l'accomplissement de ses deux objectifs majeurs, la domination de l'Espagne et le rétablissement de l'unité catholique de l'Europe. Mais le rêve de Philippe s'abîmait dans une série de revers. Sa tentative d'envahir l'Angleterre échouait lamentablement. Sa grande armada, la plus puissante force maritime de son temps, se débandait et disparaissait aux trois quarts dans les vagues de la mer du Nord. Aux Pays-Bas, protestants et catholiques se rebellaient contre leur maître espagnol. Philippe emportait dans la tombe sa vision d'un grand empire européen. Isolé et amer, Philippe II mourait en 1598 dans son puissant palais. Pendant les dernières années de sa vie, son confesseur n'avait pas le droit de le quitter. Le roi craignait par-dessus tout de mourir dans le péché. Philippe II, le puissant dirigeant, avait, toute sa vie, tenté de préserver le Moyen Âge. Sous l'ardent soleil du plateau de la Meseta,
les traces de son catholicisme total sont encore visibles de nos jours. La procession du Corpus Christi, au sud de Madrid, est une tradition baroque qui a survécu jusqu'à nous. Le ciel et l'enfer, l'humilité et la fierté, la vertu et le vice deviennent figures allégoriques dans ce carnaval de la foi catholique. Qualifié par le célèbre auteur espagnol Calderón de drame ecclésiastique pour édifier le peuple, c'est un théâtre de pantomime qui incarne les plus profondes valeurs catholiques. Déploiement de fêtes et chatoiement des couleurs disent la vieille histoire de la tentation et de la résistance, du péché et de l'innocence, expliquée en pantomime à des illettrés. Le rituel ecclésiastique, intensifié jusqu'à l'extase, était aussi éducation religieuse. Un phénomène typique de la contre-réforme catholique. Ce que Philippe voulait, et que le Titien a couché sur un tableau, c'était une Espagne fière sauvant la religion. Ce ne serait finalement qu'une illusion. Au début du XVIIe siècle, le christianisme traversait une épreuve comme jamais il n'avait eu à y faire face auparavant. Deux églises professaient maintenant leur croyance en Jésus-Christ et le Nouveau Testament. Mais protestants et catholiques étaient chacun convaincus de vivre le vrai christianisme, au plus près du message des premiers chrétiens. Pendant des siècles, cet affrontement amènerait les guerres, l'intolérance et le fanatisme. Il serait la source de l'oppression de pieux individus qui ne désiraient qu'une chose, vivre leur foi chrétienne, leur foi, alors que les autres essayaient de les convertir par la force brutale. Peut-être le christianisme a-t-il vécu là l'une des expériences les plus douloureuses de son histoire. L'histoire et le chemin parcouru en commun se partageaient en deux courants qui allaient développer chacun ses propres traditions culturelles. Les protestants du nord de l'Europe ne se contentaient pas de clamer leur primauté dans les questions religieuses sur le sud catholique. Le commerce créait les conditions de l'indépendance. Bientôt, son volume dépasserait celui du monde méditerranéen. Les ports de la façade atlantique entraient dans un nouvel âge d'or. Les richesses s'empilaient derrière les comptoirs des marchands. Une nouvelle bourgeoisie apparaissait. Sur deux, les individus prenaient leur destin en main. Ici aussi, de riches marchands favorisaient les arts. L'église Saint-Michel à Hambourg, en pur baroque protestant dans sa forme la plus évoluée, est l'un des grands centres du développement protestant. La parole biblique et son interprétation par le pasteur étaient maintenant au cœur du service religieux. La chaire se rapprochait du centre du sanctuaire. L'intérieur de l'église Saint-Michel ressemble un peu à un amphithéâtre. À la différence des églises catholiques, les fidèles s'assoient ici confortablement. Toute la concentration va à la parole biblique et au sermon. Au lieu et place de stucs foisonnants et de feuilles d'or, un nouvel art apparaissait dans les églises protestantes, la musique. Jean-Sébastien Bach composait des œuvres liturgiques magistrales pour le culte protestant.
Composition pour orgue, cantate, passion, arrangement de polyphonie chorale, un opus grandiose illustrait le message de l'Évangile et la Bible avec des sons. La foi protestante devenait musique. Tout au long de l'ère baroque, le protestantisme se répandait au-delà des frontières de l'Europe. Au commencement du XVIIe siècle, une vague d'émigration sans précédent roulait vers l'Amérique du Nord. Composée en grande majorité de groupes religieux marginaux, inspirés par les premiers idéaux chrétiens, ils allaient construire là-bas un nouveau foyer. Aujourd'hui, les États de l'Est américain sont toujours le reflet de ce développement. Ils allaient être fondés sur l'espoir de milliers de gens de retrouver ici la terre promise de la Bible. Un paradis sur terre, au pays de tous les possibles. L'utopie pour tous. Le point de départ de ce développement fut le fait d'un petit groupe de gens dont le destin est resté à jamais dans les livres d'histoire. En septembre 1620, 18 familles quittaient le port anglais du Plymouth à bord du Mayflower. Ces premiers colons en partance vers l'Amérique du Nord nous ont laissé la description de leur état d'âme. « Nous nous sommes enfuis dans le désert. Dieu a poussé nos cœurs à fuir. » S'appelant eux-mêmes les pèlerins, ce groupe religieux allait maintenant pouvoir mettre ses idéaux en pratique. Ils étaient les élus de Dieu, s'échappant de l'esclavage comme les enfants d'Israël. Leur pasteur prêchait avec ardeur leurs convictions puritaines. L'homme est coupable, et seule l'omnipotence et la pitié de Dieu peuvent le sauver. Seul compte ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui advient est de volonté divine. Et pourtant, les congrégations derrière leurs pieux idéaux avaient aussi leur côté sombre. Réapparaissait la sévérité de la règle et l'étroitesse d'esprit. La superstition et les chasses aux sorcières recommençaient comme dans le vieux monde. Le ciel et l'enfer, la foi et la superstition avaient profondément imprégné les âmes de l'ère baroque. Ils pensaient que le monde était sous le pouvoir des esprits. La Bible elle-même ne parle-t-elle pas de démons? Les catholiques, comme les protestants, croyaient à l'existence d'esprits mauvais. Pendant les mauvaises années, la famine et la mort menaçaient. Et la rumeur de courir, c'est le diable qui ravageait des régions entières. Dans les populations rurales particulièrement, la foi et superstition se combinaient jusqu'à former d'étranges croyances. La nature était aux mains de pouvoirs surnaturels et les individus étaient entièrement à leur merci. Dans tous les bâtiments et dans les maisons des paysans, on trouve encore des objets auxquels on attribuait des pouvoirs magiques, y compris l'image ou la statue de saint catholique que les gens priaient et adoraient comme des dieux. Chaque problème devait être soumis à un saint bien précis, selon une procédure spécifique, une espèce de rituel d'exorcisme. Port à votre droite et le mal fera loi. Port à votre gauche, de joie ne serez pas privé. Le porc était l'animal de l'oracle, celui qui suivait le vagabond aux yeux flamboyants. Les gens craignaient cet animal, même s'ils le nourrissaient. Le porc était habité par le diable, mais il pouvait aussi porter chance. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, un homme mystérieux allait incarner l'esprit de son temps. Avant tout visionnaire, il laissait à sa mort un testament qui, encore de nos jours, est source de nombreuses questions et polémiques.
Nostradamus avait lu dans les étoiles la venue d'une apocalypse. Une comète allait tomber sur la Terre et une tempête de feu détruirait tout. Médecin de profession, Nostradamus allait devenir célèbre pour une potion qu'il avait inventée pour combattre la peste. Mais Michel de Notre-Dame faisait à la fois pratique de décoction et cherchait la pierre philosophale. Savant typique de son temps, il balançait entre études méthodiques et incantations magiques. Ses activités d'alchimiste étaient mal vues de l'Église, mais il s'acquérait le soutien des puissants. Catherine de Médicis, reine de France, était tombée sous le charme du prophète. Cette reine de France allait plonger le pays dans une horrible guerre civile, jetant l'un contre l'autre les catholiques et les huguenots, comme s'appelaient les protestants français. Dans la nuit de la Saint-Barthélemy 1572, des milliers de protestants étaient assassinés à Paris, sur ordre de Catherine. Ce massacre était le prélude d'un siècle d'oppression entrecoupée d'une période de tolérance à la fin de laquelle les protestants étaient finalement chassés de France. Ils émigraient aux Pays-Bas et dans le nord de l'Allemagne, où leur était accordée la liberté de culte. À Bad Karlshafen, sur la rivière Weser, environ 4000 huguenots en exil s'installaient, apportant avec eux tout leur savoir-faire d'artisans expérimentés. Sens de l'urbanisme, architecture savamment ordonnée, tout droit sorti de la planche à dessin baroque, Bad Karlshafen allait devenir un centre de commerce florissant. Les dirigeants protestants d'Allemagne espéraient bien que les huguenots donneraient une nouvelle impulsion aux affaires. D'autres centres allaient ainsi se développer dans ces états. Cinq cent mille huguenots s'enfuyaient vers les seuls Pays-Bas. Libéré de ses occupants espagnols, le plat pays s'était transformé en refuge de tolérance. La coexistence paisible des protestants, des catholiques et des libres penseurs faisait des Pays-Bas une nation de grande culture. Mais la tolérance de l'ère baroque était plus une exception que la règle générale. En Allemagne, une guerre épouvantable couvait qui durerait 30 ans. On trouve encore aujourd'hui des traces de cette catastrophe. Les archéologues mentionnent par « dévasté » les restes de tous les villages rayés de la carte de 1618 à 1648. La guerre religieuse sonnait le glas pour tous leurs habitants, soit un tiers de la population allemande. À Prague, la défenestration d'un certain nombre de protestants lors d'une bagarre entre deux partis rivaux allait précipiter cette catastrophe. En Allemagne, les dirigeants protestants et catholiques se déchiraient, car derrière ce conflit religieux, il y avait aussi de solides motifs politiques. Les États allemands avaient peur du pouvoir croissant de l'empereur. Ce dernier avait en effet trouvé en Wallenstein un grand commandant en chef dont l'art de la guerre était même admiré de ses ennemis. Les batailles pour la terre, le pouvoir et la religion prenaient une nouvelle dimension dans l'horreur. Comme il n'existait aucune logistique d'approvisionnement dans aucune de ces énormes armées, la soldatesque se livrait au vol et au pillage. Et la guerre continuait de plus belle. Le pays tout entier était dévasté. La famine et la peste étaient le lot commun. Cette guerre de 30 ans allait être la plus grande catastrophe ayant jamais touché l'Europe. La souffrance de la population civile allait atteindre les dimensions de loin supérieures à celles des guerres précédentes. Elle ferait 7 millions de morts. Des centaines de milliers de personnes abandonnaient maisons et foyers par crainte des soldats en maraude. La paix ne retombait qu'avec l'épuisement total de tous les partis, sans vainqueurs ni vaincus. En 1648, les négociateurs des différentes factions en guerre se réunissaient à Osnabrück et à Münster, en Westphalie. Le traité de paix reconnaissait le protestantisme, même dans sa forme calviniste. Cet accord ne signifiait pourtant pas la liberté religieuse dans le sens moderne du terme. La règle « cuius regio, eius religio » continuerait à s'appliquer. La religion d'un État serait celle choisie par son prince.
À la fin de la guerre de 30 ans, toutes les nations méditerranéennes restaient catholiques, alors que toute l'Europe du Nord était devenue protestante. L'Angleterre conservait son statut particulier. Le roi ayant fait scission d'avec le pape, l'Église anglicane avait développé son propre protestantisme. Séquelles lointaines de cette guerre, la ligne de démarcation entre les religions coupe toujours l'Allemagne en deux. Le sud est majoritairement catholique, alors que le nord et l'est sont majoritairement protestants. En France, cependant, un règne se développait dont la splendeur allait éclipser tous les princes d'Europe par la magnificence de l'écrin qu'il allait se donner, Versailles. Ce château était le théâtre voulu par une monarchie qui resterait dans l'histoire sous le qualificatif d'absolutiste. Rien ni personne, à part Dieu, ne pouvait se placer au-dessus du roi, ce que Louis XIV traduisait par « l'État, c'est moi ». Louis obligeait l'aristocratie française à prendre résidence à Versailles, faisant ainsi étalage de sa puissance et en état de l'exercer pleinement. Presque 40 000 personnes s'affairaient à l'entretien de cette énorme cour. Les princes de l'Europe regardaient avec envie vers la France et la fameuse Galerie des Glaces et essayaient d'imiter ce style plein de grâce et de noblesse. Architecture, peinture, musique, danse, jeux d'eau, Versailles était une immense académie des arts. Et au cœur de cet immense écrin régnait le roi soleil, Louis le XIVe, le maître absolu. Derrière cette apparente extravagance et dans les senteurs de parfums luxuriants, se prenaient aussi d'importantes décisions politiques. Appliquant à la lettre le principe d'absolutisme, le roi s'attachait chaque jour un peu plus les grands personnages de son royaume. Le lever du matin devenait un rituel. La chambre de Louis était un lieu public. Y être admis était un grand honneur. Quand le roi ouvrait les yeux, tous devaient être présents pour le servir. Qui remettrait son mouchoir au roi? Qui lui donnerait sa chemise? La plus petite attention du roi déterminait le rang d'un courtisan. Cette toilette matinale n'avait cependant rien de très hygiénique. À cette époque, on avait encore peu pris le goût de l'eau. Le roi absolu s'occupait également des affaires religieuses. Un roi, une loi, une foi. Telle était l'équation politique de Louis. Il annulait la liberté religieuse donnée aux protestants par Henri IV. La belle-sœur de Louis, Lise de Palatinat, allait être un témoin précieux des faits et gestes à la cour du grand monarque catholique. Lise avait été mariée au frère de Louis, un mariage de convenance politique. La noble allemande était isolée à la cour de France. Déversant son désespoir dans les innombrables lettres qui partaient vers sa vaste parentèle, elle y faisait une description unique de la vie intérieure de cette cour. La princesse cultivée correspondait aussi avec les grands savants et portait un regard critique sur les grands problèmes de son temps. Elle laissait à la postérité d'inestimables mémoires parmi les volutes de son destin baroque. Ces 60 000 lettres étaient la réflexion d'une femme profondément intéressée par son époque. Il est très ennuyeux de voir ce que font les prédicateurs. Pourquoi les chrétiens doivent-ils tant se détester? Les religions chrétiennes doivent se considérer comme ne faisant qu'une, et elles doivent permettre aux chrétiens de s'épouser et de choisir leur église, sans trouver qu'il puisse y avoir mal à cela. Ce serait mettre plus d'unité parmi les chrétiens. Ses idées allaient survivre à l'ère baroque. À la même époque, alors que des centaines de milliers d'individus mouraient sur les champs de bataille en Europe, des nouvelles sciences apparaissaient. L'astronomie élargissait l'horizon mental des hommes. La vieille image du monde commençait à s'estomper. L'homme et la Terre n'étaient plus au centre de l'univers. On découvrait de nouvelles planètes et l'éternité. Les mathématiques et la géométrie mettaient de l'ordre dans le chaos.
Mais toute science restait encore une expérience sacrée et devait être glorification des travaux de Dieu. L'invention sensationnelle du microscope apportait une nouvelle compréhension de la création de Dieu. Grâce à l'exploration optique, on découvrait le sperme dans un monde précédemment invisible. On commençait à étudier le microcosme. De nouvelles optiques et de nouveaux matériels permettaient de mesurer le vivant. Les tableaux et les graphiques remplaçaient la spéculation et les miracles. Le classement et l'ordre remplaçaient le chaos et l'émerveillement. L'alchimie, vieille science médiévale, vivait ses dernières heures. Trop longtemps étouffée, la croyance en l'omnipotence de la raison triomphait. Leibniz, le grand savant universel, l'exprimait en disant que les gens vivent dans le meilleur des mondes possibles, parce que son créateur est indulgent et qu'on peut mesurer ce Dieu par des moyens logiques. Descartes trouvait la réponse à sa quête de certitude absolue dans la pensée pure. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Il exprimait ainsi toute la confiance de la philosophie baroque en la raison humaine. De nouveaux concepts dessinaient un avenir idéal. L'utopie devenait le désir d'un autre siècle. Les continents les plus lointains étaient découverts les uns après les autres. La nouvelle vision du monde allait être une nouvelle étape pour le christianisme. Des jésuites partaient en mission jusqu'au Japon. Les naturalistes se frayaient un chemin au milieu des forêts les plus denses, les plus impénétrables. Une religion rencontrait d'autres dieux. Entre le ciel et l'enfer, il y avait soudain un monde tout neuf. Barocco, l'irrégulier, la nacre des profondeurs avec son miroitement de forme et son modelé naturel. Un petit trésor dont la beauté nous séduit au premier coup d'œil. Telle était la période baroque, fascinante et mystérieuse à la fois. Mais fut-elle une contradiction particulière de la marche du christianisme ou une conséquence logique? Le christianisme, qui pendant 15 siècles avait réussi à se préserver contre les menaces tant externes qu'internes, s'effondrait. Et pourtant, ce conflit sanglant allait donner une telle impulsion en avant qu'il donnait une nouvelle inspiration à la vie culturelle et permettait à la science de faire un bond vers le progrès. L'âge moderne venait de commencer avec tous ses problèmes. Les gens voulaient maintenant tout connaître et tout prouver. Ils voulaient un christianisme en harmonie avec la pensée d'un monde moderne. Un monde qui, lentement, commençait à prendre forme.